de Dieu. Que le Seigneur de Dieu soit avec vous partout où vous vous trouvez. Le Seigneur qui nous aime, qui avait accepté de porter la couronne des mines à notre pour nous, qui avait accepté de souffrir la croix pour nous, dans le but de nous donner la vie éternelle, de nous sauver de nos péchés. Tout cela à cause de l'amour de son Père qui voulait sauver le peuple. Nous devons tout le temps lui être infiniment reconnaissants pour tout ce qu'il fait encore avec nous. D'abord, pour tout ce qu'il a fait pour nous. Si aujourd'hui nous sommes en paix avec Dieu, c'est parce qu'il avait porté cette croix. Il s'était laissé porter la couronne de vie. Nous devons lui être infiniment reconnaissants. Si aujourd'hui nous dormons en paix, pendant que le monde est troublé, c'est aussi un motif de reconnaissance pour nous. Déjà le fait que nous sommes debout ce matin et nous pouvons l'écouter, c'est aussi un motif de reconnaissance. Le Seigneur n'a jamais cessé de nous aimer parce qu'il est mort à la croix. À nous aimer jusqu'au moment où il viendra nous prendre. C'est vrai qu'il viendra nous prendre. Et ces jours-là, nous aurons une joie ineffable. Une joie inexprimable qu'on ne peut pas exprimer avec les mots. Quand nous le verrons tel qu'il est, nous serons aussi semblables à lui. Lui, dans son corps glorifié, nous dans ce même corps aussi. Il mérite vraiment que nous puissions l'acclamer sur la terre. Et que nous puissions pousser les cris des joies dans la maison. Il est digne de gloire, il est digne d'honneur. Il est digne de puissance, il est digne de force. Il est de ce Dieu incomparable. Que Dieu soit loué. Parce qu'il nous permet encore ce matin d'être avec lui. Il va nous parler. Soyons prêts à l'écouter. Et il ne parle jamais en vain. Et quand il parle, c'est pour que ses enfants soient dans la joie. Parce que pendant qu'ils écoutent la parole de Dieu, il se passe de très bonnes choses. Il y a des malades qui sont guéris. Il y a des gens qui sont troublés dans leur cœur, qui retrouvent la joie, la paix. Et je voudrais qu'il en soit ainsi ce matin. Nous allons lire quelques versets bibliques qui nous permettront de rappeler un peu la matière qu'on a vue et de commencer cette aujourd'hui. Je lis d'abord dans Jacques.
disait Jean 15, verset 20. Nous lisons notre Seigneur. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Nous complétons avec l'écriture de Luc, chapitre 14. Luc 14, où il est dit, mais au verset 27, et quiconque ne porte pas sa croix ne me suit pas, ne peut pas être mon disciple. Nous terminons cette lecture par 1 Pierre chapitre 4, verset 1 à 3. Il est dit là. Ainsi même que Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi avez-vous de la pensée, de la même pensée. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. Afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu. Pendant le temps qu'il restait à vivre dans la chair. C'est assez en effet d'avoir, dans le temps passé, accompli la volonté des païens. Dans les compatibles, dans les tonneries, dans les excès de manger, de boire et dans les idolâtres culturels. Aussi trouve-t-il étrange que vous ne vous précipitiez pas avec eux dans le même débordement de débauche. Et il vous calomnie. Je peux m'ajouter le verset 5. Il rend compte à celui qui est caché le vivant et le mort. Père, glorifie cette parole. Couvre-la de ta gloire, Seigneur. Que la porte ait solution à tes enfants. Et pour la gloire de Dieu, nous avons ainsi prié. Amen. Nous avons essayé de vous montrer, nous, la fois passée, nous avons essayé de parler de la couronne de nuit, mais on n'a pas terminé. Je ne sais même pas si on va terminer aujourd'hui. Nous avons dit que, en essayant de voir le type de couronne qu'on peut, qu'on va, de parler de couronne qui concerne la vie de l'enfant de Dieu. Nous avons parlé de la couronne de justice, de la couronne de vie, de la couronne de la gloire qui nous attend à la fin des temps, à la fin de notre course, quand Christ nous a pris en son église.
Nous avons dit que tout cela, ce sont des aspects de la même couronne. Avec l'exception de la couronne de la gloire dont parle l'apôtre Pierre qui est réservée au pasteur. Chapitre 11, verset 12, où il est dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de la
camion et à cause de la parole de témoignage. Et c'est une règle, c'est tout à fait normal.
disparaître. Ce pauvre frère se moquait de lui. Il se moquait de lui. Parce qu'il avait une vie tout à fait différente de la leur. Et on le tournait en dérision. On le tournait en dérision, c'est mon petit. C'est comme on le disait même à un moment donné, on trouvait qu'il avait perdu le sens. Avec le plan de place, il a perdu le sens. Et je crois que vous êtes témoin, vous êtes déjà traité comme quelqu'un qui est hors sens, parce que vous voulez marcher d'une manière correcte. Le païen avec qui il marchait,
approche. Bon, la mitad de la vida, la mitad de la vida, la mitad de la vida.
parlé. Je crois qu'il reste encore une minute officielle. Ok, nous allons voir si je peux terminer avec ce capron de lui. La première des choses, c'est de présenter nos prières et nos supplications à celui qui peut nous sauver. Comme le Seigneur Jésus l'avait fait lui-même aussi. Il a présenté avec des grands cris, avec des larmes, des prières et des supplications à celui qui peut nous sauver. Il a pris la coupe pleine de ce péché de mort. Ça pesait sur lui. Il était prêt à pardonner. Mais il s'est dit, non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. Il était à la bouche. Son âme était troublée. Mais même alors, il n'avait pas oublié de s'adresser à son père. Il me c'est pour cet âme que je suis venu. Glorifie ton fils. Et ce jour-là, il y a deux choses que j'ai notées. Une fois il est sorti, je l'ai glorifié. Et deuxièmement, Dieu a envoyé un ange pour le fortifier. Quand la parole de Dieu nous arrive, continuons à être attachés au Seigneur. Présentons des prières à celui qui veut nous sauver. Amen. Amen. Deuxièmement, nous trouvons la réponse à 1 Pierre chapitre 1, 1 Pierre chapitre 4, verset 15. On nous dit que nous ne devons pas en avoir honte, mais glorifier Dieu. Devons glorifier Dieu. J'aime bien dire ça, mais pas je prie le temps de Dieu, vous allez lire ça à la maison. Réjouissez-vous au contraire.
se repose, l'esprit de gloire, l'esprit de Dieu se repose, se repose sur vous. Ceci me rappelle la louange de Paul et Silas quand ils étaient en prison. Moko moko kwa namba.
ce jour-là, glorifiez-vous, 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 comme l'on fait de chaque chacun qui avait des goûts. Le ciel s'est ouvert. Le fils de l'homme est descendu. Pour éteindre le feu. Et ce qui me plaît, c'est qu'on dit, même les cheveux ne présentaient pas l'odeur du feu. Même les caleçons n'étaient pas touchés. Pourquoi? Parce que le fils de l'homme avait vu. Ils ont gardé la dignité d'enfant de Dieu. Malgré les tribulations, on ne voyait la personne. Ce sont des choses qui, Seigneur, qui sont dues à comprendre à vie. C'est pour ça que Dieu voulait que nous puissions prévenir des enfants. Parce que dans le milieu du niveau, il y a toujours cette faiblesse dans laquelle nous pouvons être jetés un jour. Les enfants.